avec votre président. Dites-nous quels sont les messages aujourd'hui et les pôles pour la sécurité sociale. Écoutez, comme vous l'avez dit, nous sommes là pour représenter le président sénégalais, Pierre Michel Platin, une forte délégation de l'UFDG conduite par la personne, pour venir témoigner. Les amis du président, les relations de confiance, qui ont existé entre le président sénégalais et le président sénégalais. Nous nous rappelons que M. Sénégalais a été pendant 11 ans ministre de la Sécurité. Le président sénégalais a fait sa confiance. Les billets de qualité. Le président sénégalais est en contact avec la famille du président Feu Lazare. Il a été toujours là à côté de la famille. À chaque événement, malheureux ou heureux, le président sénégalais est toujours là. Et c'est avec beaucoup de fierté que le président sénégalais dit souvent qu'il est le fils du président Lazare. Parce que collaborer avec un président de la République, avoir la confiance du président de la République, travailler avec lui, il t'a donné les moyens. Il t'a donné les moyens de faire tes peurs, on ne peut pas le faire. C'est une question de dignité, c'est une question de reconnaissance. Ceux qui ont été à côté du président sénégalais, qui ne sont pas reconnaissants au niveau de sa famille, qui font comme s'il n'a jamais dit ça. Nous les appelons les ingrats. Et moi, je suis convaincu que les premiers qui rentreront en Afrique, le président Lansana Conté a été un grand homme. Le président Lansana Conté aimait la Guinée, aimait les Guinéens. Le président Lansana Conté s'est toujours battu pour que les Guinéens vivent en famille. Le président Lansana Conté n'a pas fait de choix entre une communauté. Il s'est battu. Il a été l'artisan de l'instauration de la démocratie. Si on est encore en train de parler de ces radios privées, c'est grâce au président Lansana Conté. Si on a parlé de multipartisme dans ce pays, c'est grâce à Lansana Conté. Il a été un grand président, il a été un président qu'on ne pourra jamais oublier. Je pense que l'hommage qui lui a été rendu aujourd'hui est un hommage bien mérité. Nous savons tous, nous avons tous vécu ici, nous savons que le président Lansana Conté est un grand homme. Le président Lansana Conté était l'ami du président sénégalais, c'est son fils aîné. Il a été proche du président sénégalais. C'est avec beaucoup d'émotion que nous arrivons là. Et je continue à prier pour le repos de son âme. Je suis convaincu, puisque je suis un vrai croyant, que le président Lansana Conté est déjà au paradis. Parce qu'il mérite que le paradis, il a été un homme, il a été bien. Il a été un excellent président qui était à l'écoute de son peuple. Et le président sénégalais m'a confié. Chaque fois qu'on envoyait un décret de nomination, ce qui l'intéressait, c'était de savoir est-ce que la Guinée était représentée, est-ce que toutes les communautés étaient représentées. Le président Lansana Conté a été un homme juste, a été un homme équitable, a été un homme bon. Il était bon pour la Guinée. Je pense qu'on le regrettera. On va continuer à le répéter. Je souhaite en tout cas que la Guinée puisse avoir un homme comme Lansana Conté. Je vous le garantis et je vous le promets. Que lorsque le président sénégalais sera président de ce pays-là, je pense qu'il suivra l'exemple de son père, il sera exactement comme la Sénégalité, il se battra pour l'unité de ce pays, pour la réconciliation de ce pays, pour sortir ce pays de la misère. Père à l'âme de notre père, de notre grand-père, le feu Lansana Conté, qui a été un homme bon, qui a été un homme juste, qui a aimé la Guinée, qui a aimé la Guinée.